think we both know the answer to that. We made a blind jump. How did they get here first? The Covenant ships have always been faster. As for tracking us all the way from Reach, at light speed, my maneuvering options were limited. We were running dark, yes? Until we decelerated, no one could have missed the hole we tore in subspace. They were waiting for us on the far side of the planet. So, where do we stand? Our fighters are mopping up the last of their recon picket now, nothing serious. But I've isolated approach signatures for multiple CCS-class battle groups. Make it 3 capital ships per group. And in about 90 seconds, they'll be all over us. Well, that's it then. Bring the ship back up to Combat Alert Alpha. I want everyone at their station. Everyone, sir? Everyone. And Cortana. Hmm? Let's give our old friends a warm welcome. I've already begun. Attention, all combat personnel. Please report to your action station. This is to secure airlock on Deck 11. Fortune Platoon rendezvous the 22nd tactical at Bulkhead Charlie Gordon. You heard the lady. Move like you got a purpose. This is not a drill. I mean, this is not a drill. Once again, it is our job to finish what the flyboy started. We are leaving this ship platoon and engaging the Covenant on solid ground. When we meet the enemy, we will rip their skulls from their spines and toss them away laughing. Am I right, Marines? Sir, yes, sir. Mm-hmm. Damn right I am. Now move it out! Double time! Attention all personnel, we are reinstating the country. External and internal contact imminent. All you greenhorns who wanted to see Covenant up close, this is gonna be your lucky day. Whoa. Sir? Right. Let's thaw him out. Okay. Bringing low-level systems online. Cracking the case in 30 seconds. He's hot! Blowing the pins in 5. Tube shows green. Cycle complete. Sorry for the quick thaw, Master Chief. Things are a little hectic right now. The disorientation should pass quickly. Welcome back, sir. We'll have you battle-ready stat. Chief, please look around the room. I need to get a calibration reading for your battlesuit's diagnostics. Good. Thank you, sir. I'm bringing your health monitors online, sir. Vital signs look normal. No freezer burn. Okay, sir. Go ahead and climb out of the cryo tube. I gave you a double dose of the wake-up stim. Take a quick walk around the cryo bay and join me at the optical diagnostic station when you're ready. Alright tout le monde, je suis Jessener, et on se retrouve sur un nouveau Let's Play sur Halo Combat Evolved. L'original, mais là je joue bien évidemment avec le Master Chief Collection pour l'avoir en HD et sur PC. Parce que, oui j'aime ça jouer nostalgie et avoir une manette d'Xbox entre les mains comme que je fais d'habitude, mais... Halo sur PC, depuis que je joue à des FPS sur PC, là, clavier-souris, là, c'est juste parfait. Et jouer à Halo clavier-souris, c'est comme un rêve devenu réalité, man. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite intro, la version Xbox originale et tout, juste pour la nostalgie du premier Halo, puis tu sais, de l'intro de l'Xbox et tout. Mais là, on y joue avec Master Chief Collection, mais avec les graphismes originales. Man, Halo, là, c'est un de mes jeux préférés. Je dirais même que c'est ma série de jeux. La trilogie, surtout, là, je parle de Halo 1, 2 et 3, est ma série préférée en dessous de Zelda, en fait.
J'ai tellement joué à ce jeu-là avec mes amis, mes cousins et tout. Halo 1 et 2, là, surtout. Là. J'ai envie de faire la trilogie. Donc, la trilogie originale, qui est la meilleure de mon point de vue. Et on va commencer avec Combat Evolved, bien évidemment. I know the ordnance techs usually take care of your targeting sensors, but we're short of time, Chief. Just look at each of the flashing panels to target them. When you lock on, it'll change color. Okay, that looks good. Sir, I'm getting some calibration errors. I'm going to invert your looking pitch so you can see if you'd like it better that way. Try targeting the flashing. Ah non, man, inversé, c'est vraiment de la merde. Hey, dans le temps, on jouait inversé, hein. Okay, try looking up and down again, please. Do you want me to leave it like that or switch it again? Reste comme ça, chum. I'll leave the pitch normal, but if you want, you can change it yourself later. I'm ready for the energy shield test now. Please follow me to the energy shield test station. Let's go. Fire teams, report to defensive positions Alpha through Sierra. Sensors show inbound Covenant boarding craft. Stand by to repel boarders. Okay, bring his energy shields online, please. All right. Shields read as fully charged. Okay, sir. Bring them down to test the automatic recharge. Recharging normally. We're showing green across the board. Bridge to Cryo 2, this is Captain Keyes. Send the Master Chief to the bridge immediately. Captain, we'll have to skip the weapons diagnostics and I... double, crewman. Aye, aye, sir. The skipper seems jumpy. We'd better get moving. We'll find you weapons later. Okay, I'll leave the self-diagnostics running at least. Oh, God! They're trying to get through the door! Intruders in Cryo 2! Sam! Sam! Come on, we've got to get the hell out of here! C'est parti, man! Pour ceux que ça intéresse, j'ai joué à Combat Evolved Anniversary, j'ai fait le full game. Oh non! Je pense même pas que c'est le flèche, c'est par ici, même pas. Ah, ça parle là. C'est juste que les autres ils me bloquaient le chemin. Cortana says to get to the bridge, double quick. Sir, the captain needs you on the bridge ASAP. Better follow me. Let's go après toi. Il y a une mission dans ce jeu-là qui me restait marquée quand j'étais jeune. Halo est comme devenu un jeu d'horreur. Oh, crève pas, chum. Captain Keyes. Waouh. Regardez-moi ça, man. Hello. Asti que c'est hot, man. Captain Keyes. Good to see you, Master Chief. Things aren't going well. Cortana did her best, but we never really had a chance. A dozen Covenant superior battleships against a single Halcyon class cruiser. With those odds, I'm content with three. Make that four kills. Sleep well? No thanks to your driving, yes. So you did miss me. Report! It must have been one of their boarding parties. I'd guess an antimatter charge. Ma'am! Fire control for the main cannon is offline! Captain, the cannon was my last defensive option. All right. I'm initiating Cold Protocol Article 2. We're abandoning the op. That means you too, Cortana. While you do what? Go down with the ship? In a manner of speaking. The object we found, I'm gonna try and land the Autumn on it. With all due respect, sir, this war has enough dead heroes. I appreciate your concern, Cortana, but it's not up to me. The protocol is clear. Destruction or capture of a shipboard AI is absolutely unacceptable, and that means you're leaving ship. Lock in a selection of emergency landing zones, upload them to my neural lace, and then sort yourself for a heart transfer. Aye, aye, sir. Which is where you come in, Chief.
Get Cortana off this ship. Keep her safe from the enemy. If they capture her, they'll learn everything. Force deployment, weapons research. Earth. I understand. The Autumn will continue evasive maneuvers until you initiate a landing sequence. Not that you'll listen, but I'd suggest letting my subroutines handle the final approach. Excellent work, Cortana. Thank you. Are you ready? Yank me. Good luck, Master Chief. Your architecture isn't much different from the Autumn's. Don't get any funny ideas. I don't keep it loaded, son. You'll have to find ammo as you go. Il y a un gun, mais il n'y a même pas de munitions. Qu'est-ce qu'on a ici? Fight for her. Et voilà. J'avais trouvé de la grenade à terre. Watch your fire! Move! Do you see him? Oh, j'ai-tu des grenades? Ouch! Oh yeah. What the hell? Did something just hit us? Move it! Back to the airlock! Over here! Let's do it! Le pistolet là, le Magnum, il est vraiment fort. Voilà. They're using our lifeboat airlocks to attach their boarding craft. We go out and they come in. Je trouve ça surprenant que j'ai pas trouvé de grenade encore. D'habitude, me semble, rendu ici, on a comme des grenades. J'ai un crâne d'activer qui a pas de grenade. Ah, je mets pas de grenade. Oh oh. Speedrun, such a him. It's the Master Chief. Je l'avais jamais remarqué, ça. Ah, c'est quelque chose qu'on rajoutait. Mon œil. Ah. Oh non! Les deux sont morts. J'ai pas réussi à les sauver. Hey, vous me faites chier, vous autres. Quoi?
Hey, j'ai même pas trouvé de grenade encore. Ça me semble que c'est pas normal. J'étais supposé avoir des grenades ici, là. Faut que je vérifie ça, je pense que j'ai un crâne d'activer, je suis pas certain. Parce que j'ai fait une couple de parties avec des amis pis tout. Pis on avait joué des fois à Légendaire où on jouait avec des crânes pis on faisait des petits setups. Je pense que j'ai oublié de mettre ça normal. Je suis pas certain, il va falloir que je vérifie ça. Il y en a en bas, mais on s'en fout. Parce que des grenades, c'est quand même pratique, là. Je sais pas pourquoi que j'en ai pas. Oiseau de proie. Headshot. Regarde, le monde sont en train d'évacuer. Life pods are launching. We should hurry. Warning, blast door is closing. The Covenant are destroying the life pods. They really don't want us on that ring. Nathan's access ways. Follow the nav point. It will lead you to an opening. Let's go, Sheila. Bon, c'est par où? I'm detecting Covenant movement outside the access ways. Activating motion tracker. Let's find a safe exit. We're too close. We need to find another route. Motion tracker shows all clear. Wait. We need to get through that door, but it's been damaged by an explosion. Là, ici, me semble que t'arrives, là, t'avais des grenades, là. Là, je les garochais tout de suite. Mais là, le problème, j'en ai pas. Ah, c'est vrai, là, j'ai plus de shield. Je vais attendre mon shield se recharge. Le dude, il crie, je suis en arrière de toi, tu sais. T'es pas supposé me le dire, chum. Il me cherche. Je vais passer par ici. Je pense qu'il y a un passage juste là. Yes. Ah, je la manque tout le temps, Asti. Man, j'aurais des grenades, là, ça l'aiderait, là. Je comprends pas pourquoi j'en ai pas. Y'en a un que j'ai pété quand même pas pire, you. Ah, ils sont là! Enfin! Et finalement, j'en ai des grenades. Pourquoi j'en avais pas tantôt, man? D'habitude, il me semble on avait au début de jeu. One
Let's go. Now would be a very good time to leave. Punch it. Ah, sir. We're disengaged, going for minimum safe distance. We're gonna make it, aren't we, sir? I don't want to die out here. Look. Chief, can you hear me? At last. Are you all right? Can you move? Ah, finalement, on a des grenades, chum. J'ai checké, puis j'ai pas de crâne d'activer, donc je sais pas, ça a donné comme ça, je crois. Nous sommes sur Halo, man. Ah, c'est que ce jeu-là, il est cool, man. Qu'est-ce que j'aime ça, Halo. Oh, j'ai joué tellement de fois. On a fait la campagne avec moi puis un de mes amis à Légendaire. Je l'ai fait... J'ai fait une fois le jeu au complet. Je pense qu'on peut, s'en aller. J'ai fait le jeu à 3h30, le jeu complet. Puis j'ai fait aussi un let's play sur Anniversary. Ça, c'est mon premier let's play sur Halo normal. Le Magnum, là, je l'aime tellement comme fusil, là. Tellement fort. Yes. Je vais me rapprocher parce que là, je suis en train de manquer des tirs. Ils sont un petit peu trop loin. Pas une élite ici. Et là. I'm reading a lifeboat beacon over the next hill. You should check to see if there are any survivors. Ça vient vous sauver, chum. We can use your help. Good to see you, sir. I thought we were the only ones who made it off the Pillar of Autumn. It's a mess, sir. We're scattered all over this valley. Hey, Colonel Johnson. Evac, but until you showed up. How about chum? We're cooked. Don't worry, Sergeant. We'll stay here heads until up. Evac arrives. Another dropship heading in. Over here. Aïe, aïe. Ah!
Are you? On va prendre des grenades ici. Grenade plasma. Je me souviens plus comment switcher de grenade. Et c'est deux. Ah bien. J'aurais aimé ça que Fable Anniversary nous offre aussi la chance de jouer avec les graphismes originaux. Parce qu'il l'a sur Steam, mais il supporte pas la manette. Puis Fable, j'aimerais ça y jouer, faire un let's play dessus. Parce que c'est un jeu d'enfance aussi que j'ai joué vraiment beaucoup. C'est un de mes jeux préférés aussi. Mais il supporte pas la manette. Ça me tente pas de jouer clavier souris avec ce jeu-là. Ça fit pas. Halo, ça fit parce que c'est un FPS. Et le FPS, clavier souris, je trouve c'est le best. Oh, y'en a un autre? Allez. Drop. Frag out! Right on! Fall in, alright. Hey man. Ouch. Ben, esti. Pas capable de l'user avec mon magnum, il arrêtait pas de bouger. Pas de cul. Fait qu'on a notre toune de motivation. Ah, c'est là. C'est que ce toune-là est hot, man. La soundtrack s'appelle Brothers in Harm. J'ai mis la soundtrack dans le fond, hein. Ah, c'est déjà fini? Même pas le temps d'écouter la tune au complet, si. Je vais aller me ramasser des munitions en haut. Ah fuck, j'ai pas de munitions pour mon pistolet. Look, more lifeboats. They're coming in fast. If those lifeboats make it down, we're right on top of them. Phonehammer, we need you to disengage your warthog. The Master Chief and I are going to see if we can save some soldiers. Yes. Roger, Cortana. It's him! Okay, Charlie Team, warthog deployed. Saddle up and give him hell. Quelqu'un qui veut venir? Roger, Phonehammer. Stand by to evac survivors and transport them to safety. Oh, les soldats! Ah, ils s'en viennent. On va attendre là, il y a sûrement un soldat qui va vouloir embarquer avec nous. Yes, sir! Let's go! Pour mon let's play, je vais faire comme j'ai fait avec mes Splinter Cell. Il y a 10 missions. On va faire 2 missions chaque, puis les deux dernières, on va les faire séparément. On a 6 épisodes. This cave is not a natural formation. Someone built it, so it must lead somewhere. Et c'est là qu'on va découvrir les Forerunners puis tout. Wow. Master Chief, I'm going to use your suit's transcom system to monitor their chatter. J'aurais pu juste tomber là, mais j'avais peur de faire un tonneau. Checkpoint. J'étais sûr qu'il y en avait un.
Let's go. On les perd. Il y en a une coupe ici. That's it, les boys. Nice and smooth now. Say hello to my little friend. Bon, on va essayer de speedrun la patente. Whoa! Can't hide from me. Lui, je vais le camper ici. Je vais aller activer le pont. Sérieusement là, quand j'ai joué à Halo la toute première fois, jamais j'aurais cru que genre 20 ans plus tard j'y rejouerais encore, man. Puis je trouve le jeu encore fucking hot. Halo 2, je pense que c'est mon préféré des trois. C'est lui que j'ai joué le plus souvent, man. Je m'en souviens, mon père me l'avait acheté Day One. Ah man, j'y ai joué toute la soirée. J'achetais plein de figurines d'Halo, je les ai encore aujourd'hui. Même toutes les figurines que mon père m'a achetées de collection, je les ai encore. Ils sont un peu pétés parce que je joue avec, là, mais je les ai encore, même. Bon, on va aller sauver nos autres compagnons. Je trouve tellement que le Warthog, là, les véhicules, ils chauffent tellement bien dans ce jeu-là. Tu sais les drifts qu'on peut faire, man. Malade. La jouabilité de ce jeu-là, man, même le jeu en tant que tel, là, il est fucking meilleur que des jeux d'aujourd'hui, AAA. Le gars m'a dit nice one pour mon jump. Bon, on va aller voir par ici en premier. Survivors detected. Marines are concealed in those rocks. Man, watch this. Here comes more! I'm on it. Over here! Yes, sir, allez. Want some more? I see a snipe. Way to go! Yeah. Y'en a-tu d'autres? Je pense qu'il en reste un. Oh. Je pense qu'il faut que je débarque puis j'aille les chercher parce que là, ils sont en train de se cacher, je pense. Personne ici? Oh! Oh, il y a spot. Je pense qu'il est là-bas. L'as-tu pété?
Ok. Il a collé des renforts. Ah shit, je l'ai manqué comme un con. Hey, careful! Time to take your medicine, kids! Whoa! There it is! I see him! More, over here! Ah ouais, drop! Lots of them over here! That's excessive. Pas du camp, ça? Du camping? What the? Et là, par précision, pour préciser, en fait, je suis en train de faire mes vidéos de Halo avant que je déménage. 2 semaines avant. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de faire la trilogie, mais j'ai le temps d'en, au moins d'en faire un en masse. La trilogie, je vais peut-être la recontinuer plus tard. Il y a beaucoup de jeux que j'aimerais refaire. Ah, je l'ai manqué. Yes. Il reste un autre encore, man. Stay on target. Non, je devrais bouger au cas où que je me fasse jeter des grenades. Ouais, je l'ai manqué encore, merde. Asti, tu vises pas bien, chum. T'as-tu bu avant d'aller te battre? We read you, Echo 419. We have survivors and need immediate dust off. Roger, Cortana. On my way. I've spotted additional lifeboats in your area. Nice. One near the cliff edge. And another near on the edge of the river. Hard to see from my altitude, but it looks like there are more survivors. Acknowledged. We're on our way. What the? There it is. Banshee. Back me up. More of them. Oh shit. Oh! Je pensais pas que ça aurait droppé à pic de même. Ça va, il va isoler, man. Fait quoi? Way to go. Le dude, il y a un minigun, un machine gun aussi. Over here. Oh. Oh non, fuck. Sorry, boys. C'est juste parce que vous êtes nuls, fait que j'ai décidé de débarquer, ça allait plus vite. Dommage, ça. Notre chemise s'est fait péter, man. Sorry, bro. On a-tu fini? Je pense qu'il y a des renforts. Ouais, je le savais. Can't hide from me. C'est fait. We're going to look for the last lifeboat, Echo 419. Good luck.
Ah, bande de trucs de cul. Je les ai manqués. Y a-t-il un vaisseau qui est planté là? On s'en fout d'eux autres. Tiens, ouvre-moi. Il y en a en haut, je crois. Et je vais aller les chercher. Un autre de moins. Il y en avait-tu d'autres ailleurs? Ouais, il y en a d'autres en arrière. On va toutes les péter. Ah, s'il est dans la merde, lui. Oh, un autre? Oh, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ben. Sont en bas, je crois. Est-ce que tu... Je vais aller à l'intérieur. On dirait qu'il y en a qui spawnent au fur et à mesure. Faut sécuriser la zone. Ouais, je sais. On va aller voir à l'intérieur. Battle.net. I found Captain Keyes. He's being held on a Covenant cruiser, the Truth and Reconciliation, a ship I disabled before we abandoned the Autumn. Ça fait bien quand même l'émission. Touchdown on a desert plateau, roughly 300 kilometers upspin. They won't mess with us again. Oh, mais voilà. Ceci, ce fut le premier épisode de Halo Combat Evolved. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, donc un grand merci à ceux qui ont pu le temps de regarder. Et puis nous, on se retrouve pour la suite. Restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao!